Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres, lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, ils furent saisis de peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre là où ils se rendaient. Acclamons la parole de Dieu. L'une des plus belles choses, et même sur le plan esthétique, que l'on puisse faire quand on va en Israël, en Terre Sainte, c'est la promenade en bateau sur le lac de Génézareth, ce qu'ils appelaient la mer de Galilée, parce que ces collines sont les mêmes que celles que Jésus a vues de ses yeux divins et humains. Et cette eau, qui n'est pas la même parce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps, était là. Et la hauteur du lac était probablement très similaire. Et en ce lieu, eut lieu plusieurs miracles du Seigneur. Celui-ci en particulier a une signification très profonde. Jésus marche sur l'eau au milieu de la nuit. C'est la première étape de la vie de Jésus. Ce n'est pas encore après la résurrection. Le Seigneur est encore vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas encore ressuscité, donc. Jésus s'avance au milieu de la nuit. Le temps était mauvais. Les vagues se déchaînaient, dit l'évangéliste, qui était peut-être un témoin parce qu'il était avec Pierre dans la barque. Saint Jean était un pêcheur comme Saint Pierre, André, Jacques. Au milieu de la nuit, il voit quelqu'un arriver en marchant sur l'eau. C'est effrayant. Et il découvre, lorsqu'il s'approche, qu'il s'agit de Jésus. Une nuit sombre, un orage, une personne qui s'approche d'eux, c'est quelque chose dont il faut avoir peur. Ce n'est pas normal que les gens marchent sur l'eau. Ce n'est pas comme s'ils nageaient, marchaient sur l'eau au milieu de la tempête. Jésus leur dit, « C'est moi. » N'ayez pas peur. C'est où il y a le sens, le symbole, l'enseignement. Au milieu de la tempête de ta vie, quelle qu'elle soit, celle causée par le virus ou par d'autres maladies, les tempêtes économiques, sociales, je pense aux Vénézuéliens, par exemple, aux Cubains, à ceux d'Afrique centrale. Nous connaissons maintenant les massacres que les musulmans radicaux font au Mozambique. Tant de situations épouvantables et inhumaines sont des tempêtes dans la vie, des tempêtes angoissantes. Ou parfois, des tempêtes qui ne sont pas de ce calibre collectif ou gigantesque, mais des tempêtes plus proches de nous. Une famille qui se sépare. Des enfants qui n'obéissent pas et qui s'égarent. De toute façon, à bien des égards, il y a des tempêtes. Et tu ne trouves pas le Seigneur dans ces tempêtes. Et tu penses que celui qui vient est un fantôme. Et pourtant, il arrive dans la tempête et tu ne le reconnais pas. Il vient à toi dans la douleur et la souffrance et tu ne le reconnais pas. Et pourtant, il te dit, c'est moi, n'aie pas peur. Aie confiance. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je ne t'ai pas abandonné. Fais-moi confiance. Je suis celui qui porte l'avenir de ta vie, des tiens, de ton pays. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas, mais fais-moi confiance. Et si tu es capable de le faire, d'embrasser le fantôme, c'est-à-dire
celui qui te semble être un fantôme, si tu es capable de le faire, tout d'abord, tu retrouves la paix. Ce qui est arrivé avec le bateau, soudain, et ils étaient encore loin de Capharnaüm, soudain, ils atteignent le rivage. La tempête est terminée. On retrouve la paix. En étant avec Jésus, en ayant cette paix, tu es plus fort, plus lucide, plus apte à affronter les problèmes. Tu as la sagesse de Dieu pour voir et la force de Dieu pour agir. Cependant, si tu cesses de faire confiance à Dieu, si tu t'abandonnes à la peur au lieu de t'abandonner au Christ, alors tu deviens nerveux, tu patauges dans l'eau comme quelqu'un qui se noie, et c'est là que tu te noies. C'est là que le bateau coule au milieu de la tempête. Le Seigneur nous dit, dans chaque difficulté, tu peux me rencontrer. Nous pouvons traverser cette crise ensemble ou tu peux rester seul et sombrer. La tempête est là, de la santé, de la famille, du collectif, ecclésial, la tempête est là. La tempête est arrivée, peut-être l'as-tu provoquée ou peut-être pas. Dans tous les cas, la tempête est là. Profites-en pour rencontrer le Christ dans la tempête. Il vient à toi. Ne pense pas que c'est un fantôme, c'est le Seigneur. Même s'il vient vêtu de ce manteau de problèmes, de ce manteau de souffrance, la tempête est là et le Christ veut t'aider. Le Christ est le seul qui puisse t'aider. Dans cette tempête de la vie, à tout moment, mais surtout dans les tempêtes de la vie, c'est là que nous pouvons dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, je t'embrasse, je ne te comprends pas, mais je m'en fiche, je t'embrasse. Moi, Seigneur, je t'aime et j'ai confiance en toi. Qu'il en soit ainsi.